Là, nous t'ai posé la question sur reconstruction cathédrale Port-au-Prince qui toujours été en battante 4 ans après tremblement de terre qui t'ai écrasé. Monseigneur Patrick Harris fait connait projet ça c'est une décision qui doit prendre entre autorité l'état yo ak l'église yo. Cependant responsable a précisé yo pas gen aucun problème pour faire cérémonie religieuse parce que yo gen une cathédrale transitoire qui respecte norme parasismique yo qui en construction depuis août 2013. Nan emplacement ancien cathédrale coloniale Port-au-Prince la. Construction ça a coûté environ 2 millions de dollars, toujours d'après précision monseigneur Patrick Harris. Bon, alors il faut savoir que lorsque le pape rencontre un personnage ou un président, un premier ministre, il y a un discours. Le discours, c'est un discours qui vient directement de la secrétaire d'État. Donc ça veut dire le discours que le pape tient, c'est un discours qui lui vient de la secrétaire d'État. Mais la secrétaire d'État, d'où tient-elle son discours ? Du nonce, c'est-à-dire parce que c'est le nonce qui envoie les rapports directement à la secrétaire d'État. Donc ça veut dire que le Vatican, donc le Saint-Siège est informé de ce qui se fait en Haïti, des progrès, des allées et venues, des aléas, et à partir de ce moment, le pape ajuste son discours lorsqu'il reçoit un président ou un premier ministre à partir de la réalité qui est en cours dans ce pays. Maintenant, le discours que le pape a, c'est un discours qui est aussi protocolaire parce que c'est le peut-être le plus grand personnage de la Terre qui rencontre un autre personnage. Le discours du pape, de ce point de vue, reste dans les normes. Le discours qui serait non conventionnel, c'est le discours que le président pourrait avoir entendu du secrétaire d'État, c'est-à-dire le cardinal Pietro Parolin. Ce discours-là est un discours qui entre à l'intérieur des détails et qui fait comprendre effectivement dans quelle direction il faudrait aller de préférence. 4 ans après le tremblement de terre, la cathédrale de Port-au-Prince est encore sous les débris. Et nombreux sont ceux qui sont curieux de savoir quand est-ce que la cathédrale de Port-au-Prince sera reconstruite. Bon, il y a beaucoup de choses que je peux dire. La première, c'est que c'est vrai que la cathédrale de Port-au-Prince est sous les ruines, mais c'est vrai aussi que nous avons une cathédrale transitoire qui est déjà opérationnelle depuis le 15 août 2013. Donc cette cathédrale transitoire va rester encore longtemps, peut-être pour 40, pour 50, pour 60 ans, parce que c'est un bâtiment solide, parasismique, paracyclonique, qui peut affronter tous les aléas de la nature. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas de problème de lieu de célébration et de lieu de présence de l'église du diocèse de Port-au-Prince chez et pour le peuple de Dieu. D'accord. Ce qui fait problème de préférence, c'est le symbolisme que représente la cathédrale de Port-au-Prince. La cathédrale transitoire n'est pas encore la cathédrale de Port-au-Prince, mais la cathédrale de Port-au-Prince, c'est un monument qui n'est pas seulement un monument catholique, c'est un monument institutionnel national, patrimoine national, comme tu l'as dit si bien. De ce point de vue, il y a déjà des projets qui sont en cours, qui sont en étude. Il y a aussi des relations institutionnelles qui sont établies entre l'Église et l'État sur la future cathédrale que nous aurons. Mais ce projet ne peut pas être uniquement un projet ecclésial, ecclésiastique. Ça doit être aussi un projet national.